We are now live and inviting Valérie. Bonjour à tous. Il est là. La voilà. Là. Bonjour. Coucou Eve. Comment ça va? Ça va super. Enchantée Valérie. Bonjour à tous. Bienvenue sur nos Tribe Talk. Ce mois-ci, nous allons parler du cancer du sein avec Valérie, une femme extraordinaire, si je puis me permettre, je ne voudrais pas te gêner, qui a vécu cette expérience difficile et qui a réussi à la transformer. Valérie est coach. Je vais lire un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur toi. Artiste de l'âme, j'aime beaucoup. Et fondatrice surtout de Wake Up and Smile, yes. Aussi animatrice de l'émission qui s'appelle Réveille-toi sur Radio Médecine Douce. Valérie, tu es diagnostiquée en 2014 avec un cancer du sein et tu réalises alors que la maladie est une opportunité de se retrouver et de reconquérir son pouvoir créateur. Je commence mon introduction comme ça parce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le fait que j'ai fait entre guillemets la publicité de cet entretien entre toi et moi sur le fait que nous allions parler du cancer du sein et que je me suis aperçue que toi-même, tu en parlais complètement différemment, ouais. Puisque tu en parlais comme étant une façon de retrouver son pouvoir créateur. Ouais. Ça nous dit déjà tout. Et donc, j'aurais voulu savoir d'abord quel était pourquoi, tout simplement. Alors, pourquoi je communique comme ça? Pourquoi j'en ai parlé comme ça? Bah, ouais. Parce qu'en fait, juste le cancer du sein, entre guillemets, c'est un déclencheur, donc c'est réducteur presque, tu vois. C'est que la plupart des gens ont des épreuves et des choses qu'ils vivent, qu'ils trouvent les plus horribles du monde eux-mêmes pour eux, ce qu'ils vivent. Et effectivement, que ce soit un cancer ou autre chose, finalement, ça reste des déclencheurs pour nous réveiller, pour venir nous dire quelque chose. Donc, un cancer, c'est clair que le cancer vient de demander quand c'est que tu vas te réveiller sur un truc que tu ne fais pas, en fait, que tu dois faire depuis un moment, ou tu dévites ton chemin sur d'autres pathologies. On en parlera peut-être dans le live, je ne sais pas. Il y a d'autres messages. C'est très subtil, hein, suivant où on l'a sur le corps, etc. Un cancer du sein n'est pas le même message qu'un cancer de je sais pas moi, d'autres choses. Ouais. Voilà, des poumons ou autres. Et forcément, c'est super intéressant déjà de voir quel message notre corps nous envoie. Et comme on en parlait tous les deux l'autre jour, du moment, pour moi en tout cas, qu'on a une maladie, déjà un mal, des maux sur son corps, c'est un des grands signaux qu'on nous envoie. Des beaux messages subtils, j'aime à dire. Effectivement, quand ça tombe en maladie, après, c'est que ouais, il y a un truc à changer quand même, il y a un truc à aller voir. C'est déjà une introspection, ou en tout cas une réalisation qui est énorme. Je soigne beaucoup de gens grâce à l'Ayurveda et grâce à ces Tribe Talk aussi. J'invite des gens comme soi qui sont passés par des moments extrêmement douloureux où tout s'écroule, j'imagine, un petit peu autour de soi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quelle que soit la maladie, elle est, pas plus tard que ce matin, j'en parlais à une patiente qui a, elle, une fibromyalgie. Donc, dès qu'on la touche, elle est en douleur, quoi. Et elle en arrive exactement à ça. Elle en arrive à se rendre compte que ces symptômes ne sont pas juste, j'aime bien dire, tombés du ciel ou qui viennent de nulle part, mais qu'au contraire, ils sont partis de nous et qu'ils sont un messager qui nous force quelque part, ouais, à changer certaines choses. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? L'idée pour moi, c'est quand même d'inspirer, d'aider des gens qui souffriraient de cette maladie particulièrement. Donc, j'aimerais qu'on commence tout à fait par le début. Je voudrais aussi, on va parler de ton expérience personnelle. On va parler aussi de ce qu'on pense être les causes de ce genre de maladie, du cancer du sein spécifiquement, qui touche quand même, je ne l'ai pas dit dans cette introduction, parce qu'elles sont toujours, les introductions sont toujours un peu, sont toujours un peu bizarres à cause de la technologie, de la connexion, mais sinon, une femme sur 8 mondialement est quand même touchée par le cancer du sein. Ça fait partie des 3 cancers les plus communs, on va dire, ou en tout cas, ceux qui touchent le plus de gens. Donc, dans ton expérience à toi, 2014, qu'est-ce qui se passe?
quand on est diagnostiqué avec le cancer du sein, tout simplement. Quand vous allez voir le docteur et qu'on vous dit, mademoiselle, madame, tout s'écroule, là, vous avez le cancer. C'est ça. Ben justement, tu vois, ça fait un lien avec ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, on te pose un diagnostic sur ton corps parle. Moi, on m'a dit, est-ce que vous pouvez vous faire remplacer facilement dans votre boulot? J'ai répondu, bah non, parce que c'était pas que je ne pouvais pas me faire remplacer facilement. Il me dit, bah, va falloir. Donc, tu vois, donc là, tu sais déjà qu'il y a un souci. Tu n'as pas encore le diagnostic parce qu'en France, on a beaucoup de chances de pouvoir être pris en charge tout de suite, d'avoir les IRM, d'avoir les ponctions, enfin tout pour justement savoir exactement la biopsie, savoir exactement ce qu'on a, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mais là, d'abord, tu vois, tu as, voilà, tu as une petite mammo et une radio, là, une écho. Ouais. Et c'est sûr que là, tu vois déjà pas mal de choses, mais des fois, tu ne sais pas. Donc, il y a la biopsie, il y a beaucoup de choses derrière. Et là, quand ça se pose sur ton corps, c'est là que tu as d'abord le premier film qui part. On en parlera plus tout à l'heure. Moi, c'est ce que aujourd'hui, c'est que tu dis, putain, mais comment j'ai fait pour en arriver là, quoi, tu vois, t'es là. Ah ouais. Donc là, ouais, t'es dans ta vie. Moi, j'étais dans une vie de transition, pour le coup, à ce moment-là. Je venais de divorcer 2 ans avant. Ouais. Je venais de déménager. J'avais dû faire 3 ou 4 déménagements en même pas 1 an et demi, quoi. Donc, j'étais épuisée physiquement. J'étais très, très fatiguée. Je gérais une agence événementielle avec 300 personnes à l'année. Un petit peu costaud et puis tu avais tout à gérer émotionnellement avec, tu vois. Et c'est vrai que quand on a senti cette boule en mon sein, moi tout de suite j'ai ressenti, j'étais très déconnectée de mon instinct, de mon intuition à l'époque. Je m'étais beaucoup éloignée, je n'avais plus m'écouter, hein, clairement. Donc c'est ce que ça m'a demandé aussi, ce cancer. C'est assez une crise, ouais. Et en fait, quand on me l'a annoncé, ouais, le jour de l'annonce, c'est. Ouais, t'as un immeuble qui te tombe sur la gueule, en fait. Tu tombes de la falaise, enfin, t'es là, mais c'est quoi ce truc, en fait? Ça veut dire quoi? Et puis, tu sais très bien ce que ça veut dire. Enfin, moi, j'avais déjà pas mal de monde dans ma famille qui avait des cancers, donc je savais très bien ce que ça voulait dire. Pas du sein, forcément. Et en fait, bah, là, t'es pris en charge. Et en fait, pendant. À partir de ce moment-là, si tu veux, où j'ai été chez ma gynéco pour voir ce qui se passait avec cette boule. Bah en fait, je suis jamais ressortie de l'hôpital pratiquement, enfin, à part pour rentrer chez moi. Je veux dire, tous les jours, je devais être à l'hôpital ou tous les 2 jours, j'étais à l'hôpital pour faire des examens. Et après, bon, le diagnostic tombe et tu es sous chimio 15 jours après, en fait. Tu comprends rien. Je t'ai entendu, c'est d'habitude toi qui interviews les autres. C'est pour ça que j'étais très excitée. Enfin, excitée, c'est très anglais, mais... oui, j'habite en Angleterre et je continue à faire il y a des faux amis comme ça. Mais j'étais très enthousiaste à l'idée de t'entendre. Je t'ai entendu poser une question que je vais te poser à mon tour sur une interview que tu as fait à Armelle Six, qui elle-même a perdu un enfant. Et tu lui demandais comment faire confiance quand le pire arrive. C'est une excellente question. Merci. C'est bien la première fois qu'on me repose une question que j'ai posée. Merci, Eve. C'est une belle expérience. Attends, repose-moi la question. C'est quoi la question? Comment faire confiance? Oui, quand le pire arrive. Il y a quand même une notion de foi là-dedans. C'est-à-dire qu'on s'attache à des choses qui sont du domaine de l'invisible. On n'est pas forcément, tout se passe dans le corps et de façon très physique. Et là, j'ai beaucoup aimé cette question parce que justement, comment faire confiance quand le pire arrive? Eh bien, je vais te répondre. Comment faire confiance quand le pire arrive? C'est justement la foi, c'est de se dire qu'OK, là, à cet instant T, j'ai ça. On m'a diagnostiqué ça. J'ai ça, tu vois, le verbe avoir, mais je peux être autre chose. Et donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour être quelque chose de différent que ce que je suis au moment où on vient de me diagnostiquer et que, en mon corps, une tumeur vient de se développer. Tu vois le truc? Et pour moi, c'est ça à la fois, c'est de savoir que, comme nous sommes des êtres créateurs, on peut se réinventer constamment. Donc, nos cellules se réinventent avec nous. Et forcément, moi, je travaille sur le corps, le cœur et l'esprit, cet alignement corps-cœur-esprit. Quand ça se pose sur le corps, c'est que
quand tu reviens à ton esprit, tes pensées, etc., et que tu retournes dans ton cœur, tu vois qu'en fait, tu as loupé des trucs dans tes pensées. Moi, j'ai pu le voir très vite, on va en parler sûrement aujourd'hui. Et forcément, oui, je ne me suis pas écoutée depuis des années, en fait. Quand on vient de me diagnostiquer, je ne m'écoute plus, je m'adapte aux autres, à outrance. Ouais. Moi, je passe en tout dernier quand j'ai encore un peu de temps pour moi, tu vois. C'est ça. Et d'énergie. Donc, en fait, comment on garde confiance? La confiance de pouvoir, en fait, évoluer. On est des êtres qui grandissons constamment, qui savons évoluer, mais on l'a oublié comme on nous éteint. Et en fait, moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, OK, comment t'as fait pour en arriver là? Tu vois, j'ai pensé à mon fils, bien entendu, tout de suite. J'avais pas envie de laisser mon enfant à ce moment-là. Il avait même pas 7 ans. Mais je me suis pas dit, oh là là, ça y est, je vais mourir. Non, j'avais une foi inébranlable. On me donnait, moi, c'était en plein mois de juillet. Là, on était le 24 juillet. Et en gros, on me faisait comprendre, on te le dit pas, mais que tu passerais à peine l'année, quoi. Donc, en gros, il te reste 6 mois, tu vois. T'es là, bon, stade 3, hein. Donc, les marqueurs, pas top top. T'as 5 marqueurs, en France, ils te regardent 5 marqueurs. T'en avais 2 pas mal, où tu réagissais pas mal à la chimio, c'était un peu tout mon espoir. Mais moi, j'ai porté d'ailleurs, pendant tous les traitements, je l'ai encore, une petite médaille, une petite chaîne que j'avais trouvée dans un petit magasin juste là, tu vois, les synchronicités. Je ne me rendais pas compte des synchronicités à ce moment-là. En anglais, toujours « hope », « espoir ». Je l'ai porté tous les traitements parce qu'en fait, oui, j'avais l'espoir, j'avais confiance que j'allais m'en sortir. Je me battais pour moi d'abord, parce que souvent, on entend « je vais me battre pour mon fils, je vais me battre pour je ne sais pas qui ». Mais tu te bats pour toi. Par amour pour toi, tu te bats d'abord. C'est pour ça qu'il faut d'abord reconnecter en son cœur. Cette foi, c'est ton cœur, ton âme derrière qui dit, qui crie que putain, il faut que tu changes un truc dans ta façon d'être. Et dans ta façon d'être, c'est ta posture. C'est intérieur. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la maladie en général est une déconnexion de soi-même, à soi-même? Oui, déconnexion au cœur, du cœur, oui. Du cœur. Du cœur, intéressant parce que c'est que... C'est intéressant, c'est moi qui m'excuse. C'est intéressant parce que moi qui suis donc praticienne en Ayurveda, le cancer du sein est un cancer extrêmement émotionnel. Alors, je l'ai dit en anglais parce qu'on a fait une session en anglais, un tribe talk en anglais sur le sujet il y a 2 semaines. Oui, très juste. C'est le cancer en sanskrit, ça se dit Abuja et ça veut dire 1000 problèmes. C'est quand il y a l'âme est tellement... dépassé par 1000 problèmes qu'on ne se retrouve plus soi-même. Je pense que c'est ce qui a trait à toutes les maladies. Mais le cancer du sein, qui est un cancer très dans l'émotion, très accroché à des pertes sentimentales fortes. Bah oui. Moi, je venais de divorcer. J'avais dû changer beaucoup de choses. J'étais déjà partie de... J'étais de Lyon à la base. Là, j'étais partie dans le sud-ouest. Quelques années avant, enfin, il y a eu beaucoup émotionnellement de choses. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant cette expérience. J'aime bien l'appeler cette expérience. Quand c'est une expérience. Et je me suis aventurée dans des endroits en moi que j'avais oublié finalement. Que j'étais pas comme ça quelques années avant. Moi, j'ai dû m'éteindre. Enfin, m'éteindre à petit feu. Mais en l'espace de 2-3 ans, pas plus, hein, ça va très vite. Hein. Ouais. Ça va très vite. Ah. Et effectivement, côté émotionnel, alors c'est un tout, c'est clair, sur un cancer, tout ça. Mais moi, je remarque, pour avoir beaucoup accompagné aussi en associatif, et toujours d'ailleurs, que sur les cancers du sein, si tu l'as à droite ou à gauche, ça ne va strictement pas dire la même chose dans ton expérience, dans ce que tu as vécu. Et en plus, là, moi, dans le mien, en tout cas, je l'ai eu à droite. Ouais, l'émotionnel, c'était, je pense, qui prenait le plus de place. C'est exactement ça. Et j'étais noyée, j'étais déconnectée de moi-même. Je ne savais plus qui j'étais parce que j'avais sûrement... j'avais trop écouté les autres. Je m'étais trop adaptée aux autres. Je suis d'une nature assez adaptée. On ne s'écoute plus soi-même, ouais, d'ailleurs. Et ben, un des premiers piliers de mes programmes aujourd'hui, c'est s'écouter, hein, pour le coup. Donc, c'est marrant que tu dises ça. C'est ça. Ça me permet de... Ouais. Ouais. Quels ont été dans ton voyage, tu dis expérience, moi je dis le voyage, l'expérience c'est la même chose, quels ont été les piliers qui ont vraiment aidé à la rémission, que ce soit une communauté, la famille, j'en sais rien, quelles ont été les choses les plus importantes, que ce soit l'alimentation, que ce soit une pratique physique, qu'est-ce qui t'a aidé à toi personnellement?
Donc moi, ce qui m'a aidée, c'est déjà la famille, les proches, les plus proches, famille et amis, la garde rapprochée, comme j'aime à dire, Ouais. qui ont été d'un soutien indéfectible, qui ont, au moment où c'était tu sais, il y a des moments très compliqués, hein, où tu redescends, tu sais même pas où tu peux te raccrocher aux branches, en fait. C'est ça qui est très compliqué. Ouais, moi j'ai entre ouais, mes parents, mon frère, ma soeur, enfin, toute ma famille, et puis mes amis, certains de mes amis, moi j'avais aussi plusieurs amis qui avaient déjà eu un cancer du sein, donc ça m'a beaucoup aidé aussi de Voilà. pouvoir parler de choses que les autres ne comprennent pas, en fait, parce que c'est vrai C'est que tant qu'on ça. n'a pas vécu ce fameux cancer du sein, on rentre dans des profondeurs et des pans. Bah, difficilement compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas eu une grave maladie ou qui n'a pas eu un cancer du sein, clairement. Mais c'est pas pour mettre à l'écart les gens, c'est que tu. Ouais, ça, il faut le vivre, quoi, en fait. Et donc, la famille, c'est un des piliers. De toute façon, moi, c'est toujours été un des piliers de ma vie. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je me suis prise cancer du sein. Parce que j'ai eu mon pied familial de ma famille, moi, que j'avais recréé avec mon mari, mes enfants, tout ça, 2 ans plus tôt, qui avait explosé, hein, en vol. Donc. Ça avait été le plus dur pour moi, ça avait été ça. Mais après, il y avait bon, l'alimentation, parce que pareil, moi j'étais dans une vie où je m'adaptais beaucoup à tout le monde. Donc forcément, je m'étais un peu oubliée quand même. Je faisais moins de sport, alors que moi je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Au niveau alimentation. Je mangeais, ça allait, j'ai toujours mangé équilibré, mais tu vois, je voyais bien que j'avais un peu dévié quand même sur beaucoup trop de viande, tu vois, machin. Donc, j'avais été voir d'ailleurs Un nutritionniste. un micro-nutritionniste qui s'occupe des Ah oui. sports de haut niveau, tu sais, il m'avait fait faire une prise de sang où, tu sais, tu vois vraiment comment ils Ouais, sont je posés. connais. Toi, tu dois connaître, t'es spécialiste dans tout ça, et moi, je le découvrais, enfin. Ce pan-là, je le découvrais, je ne le connaissais pas du tout. T'es plus calé que moi sur l'alimentation, quand même, si. Et en fait, moi, j'ai fait un grand changement quand même sur mon alimentation, mais pas non plus énorme. J'avais quand même, ça allait, mais sur la viande rouge, par exemple, ça avait explosé les courbes, sur les produits laitiers aussi, pas mal. Alors que j'étais très étonnée de ce produit laitier, parce que je mangeais pas tant que ça de fromage et tout, mais en fait, c'était la crème. Je cuisinais beaucoup à la crème et au beurre, la lyonnaise. Et en fait, c'est ça qui m'avait fait exploser les trucs. Donc, tu vois, il y avait aussi toute une inflammation à ce niveau-là. Donc, tu vois, la viande rouge, pour le coup, je régule beaucoup plus, surtout avec comment on dit là, mon rhésus. Donc, il y avait vraiment. Je souris parce que c'est génial. Tu connais pas forcément l'Ayurveda et tu me dis graisse, beaucoup de graisse, donc viande rouge, viande grasse. Mayonnaise, ce sont tous les apanages de Pitta. Pitta étant le feu en Ayurveda C'est et ça. aussi le phénomène déclencheur de l'inflammation, tu viens de dire le mot aussi, et le cancer, même s'il ne vient pas de Pitta nécessairement, il est déclenché par. Donc, mais c'est intéressant, la nourriture, je pense, parce que j'ai l'impression qu'avec la maladie vient la sensation qu'on est obligé de finalement faire du bien à son corps. Et ça passe aussi par la nourriture. Il y a Ouais. Corps et inconsciemment un nourriture. sentiment qu'il Ouais. va falloir se remettre au carré à tous les niveaux et le corps aussi, quoi. Voilà. Mais si tu veux, moi, c'est vrai que les piliers, ça a été aussi de prendre du temps pour moi, c'est-à-dire de revenir à moi-même, aller voir mes pensées, tu vois, aller voir en mon cœur qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me faisait plus vibrer, que je ne m'étais pas rendu compte que ça me faisait plus trop vibrer, en fait. Tu vois, tu t'y fais, en fait, à des choses que tu fais dans ta vie. Et puis bon, j'avais eu quand même ce choc émotionnel parce que justement en 2014, moi, quand je suis tombée malade, j'aidais beaucoup en association, moi, pour déjà les cancers du sein, les cancers, donc c'était marrant, tout ça. Et en fait, j'avais lu, je sais plus où, dans les rubriques, qu'en fait, les Américains ou je ne sais qui avaient fait des études où, en fait, quand tu chopes un cancer, dans les 5 ans précédant le diagnostic, tu as eu un choc émotionnel extrêmement fort pour toi. Pour ton entourage, des fois, ça ne veut strictement rien dire. Mais pour C'est toi, en tout cas, anodin, ouais. c'était très important. Et effectivement, moi, je venais de vivre une séparation, un divorce, moi qui suis très famille, assez violent pour moi, très violent même. Qui était, en plus, on était déjà une famille recomposée. Donc là, ça t'éclate encore les trucs. Et donc, émotionnellement,
j'avais senti effectivement cette inflammation dont tu parles, toi, émotionnel, alimentaire, enfin ouais. À tout niveau, c'est ça. Je peux dire, ça, c'est le feu, quoi, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Et moi, j'avais été voir, j'avais fait beaucoup de médecine chinoise pendant mes chimios. Il m'enlevait le feu, enfin, il m'enlevait le feu de l'inflammation, de c'est ça. Voilà, et ça me faisait, enfin, c'est vrai que ça m'apportait beaucoup sur comment je vivais mes chimios, tu vois, ça m'avait beaucoup apporté. Voilà, Le travail, ouais. Pardon, excuse-moi, le travail, est-ce que ça a été aussi comment tu as approché le travail, le changement de travail peut-être, ou la continuation d'une activité, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là pour toi? Moi, à ce moment-là, si tu veux, en plein mois de juillet, j'étais en plein milieu de la saison d'été de mon agence événementielle. Donc, on avait 150 dates d'artistes qui tournaient. Je suis toujours productrice de spectacle, j'ai toujours l'agence. Et puis, l'hiver, on avait 70 événements en un mois et demi, tu vois. Donc, bon, on faisait 120 événements par an à ce moment-là, de 500 à 5000 personnes. Hein. Ce n'était pas des petits événements. Avec beaucoup donc d'équipes d'intermittents, de traiteurs, de tout ce que tu veux. Et tout ça était nombreux. Et si tu veux, cet arrêt forcé finalement, moi je le remercie. Je l'ai beaucoup remercié aujourd'hui. Je l'inclus dans ma vie, dans mon rythme de vie, d'opérer des slow régulièrement. Le flow et le slow de la vie, tu vois, c'est vraiment pour moi important de comprendre que des fois tu es dans le flow, tu y vas, voilà, c'est l'élan. L'élan de vie, l'élan créateur, l'élan vital, et puis tu suis le truc, tu es en créa. Et puis ces moments, donc il y a plus une énergie masculine, ou je ne sais pas toi comment on pourrait dire. Tout à fait, oui. Voilà, parce que moi je parle beaucoup de féminin masculin. Et puis cette énergie plutôt introspective, ou en tout cas sensible, plutôt invisible et plutôt plus douce, qui est le slow, l'énergie plutôt féminine qu'on n'a pas dans notre société, qu'on perd. C'est comme ça qu'on s'éteint en fait. Complètement. Moi, je m'en suis rendu compte grâce à ce cancer. On s'éteignait à petit feu parce qu'on ne respectait pas nos rythmes physiologiques. Et donc, moi, le fait d'avoir eu un arrêt forcé, je ne me serais pas arrêtée. Moi, je suis d'une nature, je suis Verseau ascendant Bélier. Donc, si tu veux, le flow, je le connais bien. Mais le côté Verseau, pour le coup, je ne l'avais plus du tout, ce côté où tu vas aller, tu es visionnaire. À part dans mon boulot, comme on créait beaucoup des... J'ai une agence événementielle artistique, donc on créait beaucoup de spectacles, mise en scène, beaucoup de choses créatives. Donc, j'avais mon féminin qui était content que là. Mais dans ma vie perso, j'en avais plus. J'étais à fond sur tous les fronts. Là, je venais en plus de me séparer, donc c'est encore pire. Enfin, tu es tout le temps dans le faire, tu vois. Faire. Et moi, si on ne m'arrêtait pas, tout ça, je les ai remerciés à un moment donné de m'arrêter, parce que si on ne m'arrêtait pas, de toute façon, je ne me serais jamais arrêtée. Excuse-moi. Non, vas-y. En fait, quand déjà, c'est vrai que moi, je fais tout ça aujourd'hui, parce que déjà, quand on saisit en quelques semaines, ou quand on saisit grâce à un live comme ça, que... En fait, opérer des moments de slow, ou s'accorder des moments où on va ralentir le rythme, voire s'arrêter, mais en fait, c'est normal. C'est l'être humain, il est fait comme ça. C'est pas, on est des gros fainéants on est élevé dans le travail labeur, donc si t'en chies pas et que c'est pas à fond, de toute façon, ça va pas. Il faut quand même savoir se reposer. Ouais, mais pas longtemps, quoi, une petite tête. Ouais, mais si, en fait, si t'as envie de passer plus de temps, enfin, tu vois, faut s'écouter. Et moi, je m'étais déconnectée de ça, et en plus, je m'adaptais aux autres. Donc, c'était une catastrophe. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai appris à danser sous la pluie. C'est-à-dire, des fois, tu es dans le flow, des fois, tu es dans le slow. Et quand tu es dans le slow, et même si tu te prends une réflexion, c'est OK, en fait. C'est toi qui sais ce que tu as besoin. Les autres ne peuvent pas vraiment savoir. Des fois, on croit que tu es en pleine forme, alors que tu es vraiment fracasse, quoi, tu vois. C'est super intéressant. C'est extraordinaire. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 6 ans et c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. J'appelais pas ça un burn-out à l'époque. J'étais complètement dans la définition que tu viens nous donner de la vie. Et alors, c'est bizarre, mais hier soir, pas plus tard que hier soir, ma fille qui a 16 ans, qui est plutôt alors bonne à l'école, qui fait ses devoirs, qui est plutôt dans le cadre, quoi, tu vois. Ouais. Elle rentre à la maison. Et c'était fantastique. Et elle me dit, bon, écoute, en fait, j'ai compris, je ne suis pas du tout faite pour ce système-là, quoi. qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Elle me dit, non, mais en fait, non, c'est pas pour moi, quoi. Ce truc de travailler comme une brute pour avoir une bonne note
et puis tu crois que ça s'arrête, et en fait ça s'arrête jamais. Après c'est la prochaine bonne note, et après c'est la prochaine. Et elle me dit, en fait, ils sont en train de nous former à faire partie d'un système dans lequel je ne suis pas sûre de vouloir faire partie. Et je crois que ce flow et ce slow dont tu parles, c'est exactement ce qu'on ne sait pas faire. Tu es dans le 12 heures de travail par jour, 10 heures de travail par jour, tu t'écoutes pas, tu deviens malade, tu penses que tu es une mauviette, en fait, grosso modo, si tu continues pas malgré le... C'est rigolo, cette gosse de 16 ans, cette gosse, ma fille, cet enfant de 16 ans qui me dit... Mais elle a tout compris. On dirait. Enfin, je te confirme, elle a tout compris. Et je pense que là, elle a 16 ans, mais tu en as beaucoup, tu sais, qui... moi, j'en parle souvent de l'école, de l'éducation nationale, de tout ça, parce que on voit bien que nos gosses, ils sont chiés, ils sont pas dans leur... tu vois, les époques changent, mais en fait, les systèmes ne changent pas. Et en fait, c'est un peu comme nous. Si nous, à nos âges, on a possibilité de changer, nous, les enfants, pour l'instant, on est obligé de les laisser, entre guillemets, dans ce type d'école, admettons. Alors oui, il y en a plein qui s'ouvrent. Moi, j'accompagne plein de gens qui ouvrent des nouveaux trucs, donc c'est génial. Mais il va falloir encore un peu de temps, tu vois. Mais effectivement, ce système a sûrement marché à une époque, tu vois. Mais ça fait déjà un siècle que ça existe. Donc, tu vois, au bout d'un moment, il faut quand même évoluer. Et en fait, c'est ce qu'on disait au début de live, c'est qu'il faut comprendre qu'on évolue, en fait. Et donc, quand quelqu'un vous dit, ah, mais t'as changé, voilà, mais t'es, toi, ta fille, tu aurais pu lui dire, ah, mais t'es mieux à l'école, et maintenant, alors, ou pourquoi tu dis ça, tu vois? Mais parce qu'en fait, on évolue, on change, et c'est pas parce que, on était comme ça à un moment donné, et c'est sûrement parce qu'en plus, on était sûrement comme ça, parce qu'on s'est adapté à la croyance de quelqu'un d'autre, style nos parents ou quoi. Que quand on décide en fait d'assumer nos propres croyances et de transformer ce qui a pu nous freiner à des moments parce que ce n'était pas les nôtres, ben oui, on va se prendre des raz-de-marée dans la famille, on va se prendre le regard des autres, on va se prendre beaucoup de choses. Et c'est ça aujourd'hui qui a besoin d'être accompagné parce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on ne nous a pas appris ça. Mais ça, c'est révolu, c'est obsolète, ça n'existe plus, c'est has-been. C'est C'est-à-dire ça. qu'on est en train de se réveiller. Il y en a beaucoup qui sont réveillés, tu en as beaucoup qui sont en train de s'éveiller. Et nous, on accompagne ça finalement. Parce que moi, quand j'ai monté tout ce que je fais aujourd'hui, j'allais pas reprendre l'événementiel comme je l'avais. Tu vois, si je reprenais l'événementiel où j'en étais quand j'ai commencé, ce qui est souvent le cas quand les gens ont des cancers, vous reprenez ce que vous faites. Vous retournez dans votre poste. Alors, au début, OK, on reprend dans son poste et tout ça. Vous retournez faire exactement ce que vous faisiez au moment où. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, justement, c'est ce que j'ai tout à l'heure dans ta superbe question. Comment Qui garder était la tienne? confiance en tout? Voilà, qui est la mienne, mais bon, c'est la tienne pour cette fois. Eh ben, remettez-vous dans l'instant où ça a tout pété, là, où vous est arrivé quelque chose, même si ce n'est pas un cancer, hein. Un truc très difficile et que ça s'est effondré, votre divorce, un burn-out. Moi, j'ai eu deux burn-out avant de me rendre compte que j'en ai eu. On me les a diagnostiqués, enfin, on me les a mentionnés, on m'a mis le nom burn-out. C'est le psy que tu as pendant les traitements lourds du cancer qui m'a dit, mais vous avez vu quand même que vous avez eu deux burn-out, en fait, juste avant. Je les ai passés en trombe, Aucune hein. conscience Comme du toi, tout. hein. Moi, je ne les ai pas vus, hein. Parce que nous, on est des bosseuses, non, mais c'est bon, on y va. C'est Enfin, tu ça. vois, même pas que tu fais un burn-out, mais un burn-out, c'est que c'est la marmite qui explose. Donc, il faut quand C'est même le ça. regarder, le truc. Et regarde tous les burn-out qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est déjà un signal avant même les prémices d'un cancer ou de ce que tu veux d'autre, de plus grave. Moi, Tu j'ai vois? l'impression, tu vas me dire ce que tu penses, mais j'ai touché là-dessus au début de notre conversation. Oui. Moi, j'ai l'impression, parce que je le vois dans ma pratique quotidienne avec des patients, qu'ils voient la maladie, encore une fois, comme un cheveu qui tombe sur la soupe, comme un truc extérieur, comme quelque chose qui... Et d'ailleurs, ça me fait et parler de ça, et parler aussi de... J'ai rencontré, par exemple, j'ai pas rencontré, j'ai une amie qui a eu le cancer du sein il y a quelques années et qui a été incapable d'en parler autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas en parler à ses amis, elle ne voulait pas, sans doute à ses amis très proches, mais pas au reste du monde. C'était caché, elle en avait honte. Et en fait, en lui parlant, je me suis aperçue qu'elle avait un sentiment de culpabilité tel qu'elle était incapable, en fait, d'en parler à l'extérieur. C'était la culpabilité, la remise en question, ça doit être ma faute. Oui. Alors, et ça, c'est une grosse question, je trouve, quand la maladie tombe.
est-ce qu'on peut parler, je pense qu'il y a une vraie question entre responsabilité et faute. Donc, quand je dis responsabilité, c'est redevenir conscient des causes, et je pense que cette conscience-là t'empêche effectivement de retourner à ton activité d'avant de la même façon. Je pense que si tu deviens conscient du truc, tu... Mais c'est bizarre comme on a toujours l'impression que la maladie est un facteur complètement externe à nous Ouais, et qu'en même temps, ces non, amis tombent dessus. C'est pas du tout en fait. étrange, Ouais, mais c'est exactement ça. Responsabilité vs faute, c'est super intéressant parce que hein? Ouais. là, je dis voilà de retourner à son activité, mais en tout cas à l'état d'être, à comment on était à ce moment-là en fait. C'est surtout ça que je veux dire parce que des fois, tu vois, t'es bancaire, tu retournes à ton poste, tu vois, quand t'as eu, là, j'ai accompagné quelqu'un qui avait eu un cancer aussi, et pas du sein mais un autre. Bon bah, elle a repris son poste, mais par exemple, elle voulait absolument changer. Tu vois, elle voulait absolument changer de métier, de tout. La coach, et en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait juste besoin de changer de poste. Parce qu'en fait, le poste où elle était, où elle s'occupait d'un certain type de clientèle, ne lui convenait plus depuis des années. Et que comme elle avait fait une formation 5 ans avant, qu'elle s'était réfléchie à avoir cette formation, il fallait absolument qu'elle Qu'elle reste remplisse dedans. cette mission. Mais en fait, des fois, vous faites des formations, mais si ça ne vous intéresse pas après, mais c'est pas grave, c'est juste des compétences. Donc, vous pouvez vous former à autre chose. Hein. C'est pas grave, vous changez. Hein. Et en fait, elle est restée à la banque, mais elle a changé de poste au sein de la banque, c'est tout. Tu vois, C'est donc des ça. fois, c'est pas donc. Mais elle, en fait, elle pensait qu'il fallait qu'elle se barre. Tu vois, ou pas déjà. En Très bien. fait, c'est pour ça qu'il Ouais. faut juste pas. Faut juste dire, se dire, oui, mais comme on évolue. Prendre la responsabilité de se dire, OK, qu'est-ce que je n'aimais pas à ce moment-là? Ou qu'est-ce qui faisait que c'était pas moi à ce moment-là? Ou qu'est-ce qui faisait que je me sentais pas alignée dans ce que je faisais à ce moment-là? Quand il vous arrive ce truc, tu vois. Et en fait, comme tu évolues et tu m'en dis, bah en fait, c'est comme si tu faisais un pas de côté, tu vois, et que tu regardes la situation, toi, tu fais un pas de côté, donc tu vois, les perspectives changent. Et tu es là. Tu vois, moi, quand j'ai fait mon pas de côté, mais il m'a fallu des mois pour faire ce pas de côté, moi, je me suis vraiment. Ma chimio a commencé à marcher en novembre, vraiment, tu vois. J'ai double chimio parce qu'en fait, je n'avais pas switché encore dans ma tête des trucs, tu vois. Voilà, ça Et c'est hyper je me intéressant. suis. Donc, quand tu fais ton pas de côté, je me suis regardée. Donc, c'est dur hein, de se regarder soi-même. C'est ça que c'est important de se faire accompagner aussi, au bout d'un moment. Donc, là, psy obligatoire, moi, j'en voulais pas, mais ça m'a quand même aidée parce que faut faire quand même. Et là, pas de côté. Pourtant, je suis coach, mais tu peux pas te faire ton pas de côté toute seule non plus, hein, tout le temps. Et en fait, J'en sais c'est quelque juste, mais chose. en fait, tu vois, en fait, c'est comment mon pas de côté a eu lieu au tout premier pas de côté? C'est Non. que ma sœur me montre une photo de moi à son mariage qui était au mois de mai. Et là, j'ai été diagnostiquée donc en juin, d'accord, 2014. Donc mai, juin, ouais, donc un mois après. Juillet, pardon, donc 2 mois après. Et elle me montre une photo de son mariage où je suis dessus. Putain, mais j'étais un squelette cadavérique, blanche, les cernes comme ça. Mais je ne me voyais pas comme ça. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc déjà, sur mon corps, ça se voyait que je commençais à être malade. Je sais pas comment t'expliquer. Je J'étais comprends, t'as déjà pas besoin. éteinte. J'étais déjà éteinte physiquement. Alors oui, je suis quelqu'un de machin, donc on se rendait peut-être pas compte. Ou moi-même, je me persuadais que, mais j'étais déjà pas super en forme, tu vois. Et là, tu vois, le pas de côté, ça a été de dire, mais moi, j'ai envie d'être comment, en fait? Est-ce que j'ai envie d'être comme ça? Non, c'est bon, tu vois. J'ai envie d'être comment? Et moi, j'ai envie d'être Valérie qu'on connaît depuis l'enfance. Joie de vivre à fond. J'embarque tout le monde, on fait des trucs, enfin tu vois, tout en une idée par-ci par-là, toujours. J'étais plus comme ça. Et c'est vrai que ce divorce m'avait complètement mais ravagée dans le sens où je me définissais par rapport à ça. J'étais bien plus que ça, Et trop quand loin. ça s'en va, tout s'écroule. Et ouais. Et en plus, le pire, c'est que je pense réellement que ce divorce a été une bénédiction parce que autant, enfin, j'aime encore profondément le père de mon fils, c'est pas le problème. J'aimerais toujours d'une certaine façon. Ça a été mon mari pendant 10 ans, mais je pense qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. En plus, c'est-à-dire que je devais être dans une grande illusion et lui aussi. On a dû rester ensemble, je pense, quelques années de trop, tu vois. Et c'est ok parce qu'en plus on s'entend très bien, tu vois. Et il y avait toute cette étape à passer. Donc il y a toujours des étapes aussi à passer. Donc quand tu parles de responsabilité et de faute, pour répondre à ça, te donner mon regard là-dessus, clairement, oui, on doit reprendre nos responsabilités. Parce que c'est de la faute à personne. En fait, ce qui arrive, ces expériences, il n'y a pas de faute. Ça aussi, c'est has-been, c'est comme l'éducation nationale, quoi. C'est has-been, c'est-à-dire qu'on n'est plus là, on n'en est plus à être la faute à qui. On fait des erreurs, oui, mais il n'y a pas de faute.
faute, ouais. tu te tapes sur les doigts, là. C'est ça. On n'en est plus là. Encore une fois, tout ce qui a existé, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous transmet et qu'on a dans nos lignées et tout, a servi à une époque. Il n'y a pas de problème. Complètement. Je ne renie pas ce qui s'est passé et tout, mais il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il faut se réinventer, il faut aller ailleurs. Et je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, c'est hyper important. Moi, j'ai pris mes responsabilités quand je me suis rendu compte que je n'étais plus celle que j'étais. Et que je croyais être celle que je pensais être, mais je ne l'étais pas. Tu vois le truc? Et j'ai compris. Oui, ça paraît difficile, mais c'est dans les pensées que ça se passe à un moment donné après. Bien sûr. Ton esprit qui est faussé, pour le coup. Là, c'est faussé. C'est de l'illusion, tu vois. Et donc, reprendre ses responsabilités, ne pas aussi... Il y a un truc avec responsabilité, moi, qui me vient, ce que je voyais beaucoup dans les associations quand je croise des personnes là, qui ont des cancers du sein ou des cancers, ou des maladies tout court. C'est que bah, tu es pris en charge à fond, tu as les traitements lourds, super, alors voilà, c'est horrible, hein, mais tu es pris en charge. Et puis, on voit beaucoup que quand les traitements lourds se terminent, tu n'as pas rien à faire, tu vois, tu t'emmerdes. Et les gens, en fait, s'emmerdent. Alors moi, ce n'est pas du tout mon cas, hein, je ne suis pas d'une nature à emmerder, à m'ennuyer, mais en fait, tu as été pris dans un engrenage. Tu vois, on m'a même dit une fois, une fille que j'accompagne qui me disait, en fait, ça me faisait une nouvelle aventure dans ma vie. Putain. Au secours. Ouais. Mais en même temps, elle avait besoin de ça. Donc, je comprends, tu vois ce qu'elle dit en plus. Vraiment, c'est l'aventure. Mais la plupart des personnes, moi, c'est ça qui me désole après les cancers, c'est qu'ils reprennent leur vie comme si, ah oui, il y a eu ça, c'était horrible, mais comme si rien n'était. Et ils ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'ils vont changer dans leur vie. On ne te dit pas de tout changer, mais il y a des choses à changer si tu t'es pris un cancer quand même. C'est-à-dire, il n'y a toujours pas de conscience en fait. Il n'y a toujours pas de conscience de ce qui vient de se passer. Voilà. Et c'est la responsabilité aussi, ça. C'est la responsabilité de se regarder en face dans le miroir et de se dire « Ah bah ouais, alors je vais reprendre ça. » Mais moi, j'en ai vu et je vois les récidives. Hein. Ça, c'est horrible pour moi. C'est très dur, surtout avec ce que je fais moi au quotidien. C'est que les récidives, souvent, c'est que tu n'as pas changé. Hein. Certaines choses fondamentales, tu ne peux pas tout changer, mais il y a des choses fondamentales qui t'éteignent, tu ne t'en rends pas compte, c'est inconscient. Et c'est malheureux parce qu'une récidive, après, des fois, tu ne t'en sors pas aussi, tu vois. Donc, je travaille avec une femme de temps en temps qui est chirurgienne aux États-Unis, chirurgienne cardiaque, qui a passé sa vie, c'est-à-dire à peu près 20 ans, à placer des stents sur des gens qui ont donc des artères bouchées, okay, des coronaires, etc. Et elle est partie, elle me racontait ça il y a peut-être 6 mois, je ne vais pas parler depuis un petit moment, peu importe. Elle me disait, c'est dingue parce que je me suis aperçue que je mettais des stents sur des gens. Ça ne prend pas longtemps, c'est fait, ok, le sang repasse, on est bon. Et que 6 mois après, il revenait, quoi. Bah oui, et elle a complètement absorbé du coup la médecine intégrative et holistique. Pour changer et aller, ce que dit d'ailleurs l'Ayurveda, trouver la cause. C'est ça. Il n'y a pas de rémission sans aller chercher la cause, en fait. C'est la loi de cause à effet. Enfin, je veux dire, on y est. Voilà. On est là-dessus. Et c'est ça, moi, qui me fascine quand tu me... Enfin, par l'Ayurveda, et puis quand tu en parles, moi, je suis fascinée, je t'écouterai pendant des heures entières. Parce que... Mais c'est vrai, parce que c'est d'une logique déjà sans faille. Et il y a tout cet aspect, toute cette profondeur, cette perspective derrière qu'on ressent mais qu'on n'entend pas. Tu vois comment expliquer? C'est ça qui est puissant, quoi. Et voilà. Donc là, effectivement, quand tu parles des stems, c'est vraiment ça. C'est qu'ils continuent de manger des trucs, enfin, où ils font pas de sport. Enfin, tu vois, c'est des trucs. En plus, tu me demandais moi les choses qui ont fait que qu'est-ce qui m'a le plus aidé. Donc effectivement, l'entourage, les personnes qui t'entourent, là c'est pareil. Regardez toujours qui vous entoure, hein, qui vous entourait à ce moment-là et qui va continuer de vous entourer ou pas, quoi. Parce que normalement, il doit y avoir un changement dans votre entourage aussi, hein, après une épreuve comme ça. Ouais. C'est sûr. Et la vie est toujours bien faite. Donc, ouais, cette responsabilité de prendre sa responsabilité, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est important. Parce que on est robotisé, on nous demande d'être dans le faire pour bien nous robotiser, qu'on n'ait pas trop de conscience et qu'on ne sache pas trop, voilà.
Mais allez vous renseigner et voyez ce qui est bon pour vous. Parce que c'est une responsabilité que vous avez de rester en bonne santé. Et la santé est aussi bien mentale qu'émotionnelle, enfin, à plein niveau en fait. Et c'est pas que le corps en fait. Le corps, moi, comme je dis souvent, moi, quand j'accompagne, j'accompagne sur corps, cœur, esprit. Donc, en tant que coach, forcément, les pensées, l'esprit, c'est le cœur, c'est par là qu'on commence. Mais, enfin, non, moi, c'est le cœur auquel je commence. C'est grâce à l'éveil, au profond éveil que j'ai eu grâce à ce cancer. Pour le coup, j'ai pu faire ça. Je ne faisais pas avant hein, d'avoir ce cancer. Mais il y a d'abord reconnexion au cœur. Ensuite, aller voir ce qui se passe dans vos pensées. Et ensuite, seulement sur le corps. Ça veut dire quand vous tombez malade, c'est que vous n'avez pas écouté vos pensées, on repart dans l'autre sens, et donc que vous ne vous êtes pas écouté en votre cœur, en votre âme inconsciente, par amour pour vous, vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez d'abord écouté par amour pour les autres, souvent, parce que souvent. La société nous dit que, tu sais, on a été élevé comme ça, hein, c'est ok, mais ouais. Ne sois pas égoïste, aussi d'abord les autres. En fait, on n'est pas égoïste, à la rigueur, l'égoïsme et l'égocentrisme dont on parle, on confond l'égoïsme et l'égocentrisme dans notre société, c'est-à-dire que être égoïste, c'est bien parce que justement, c'est s'occuper suffisamment de soi pour encore mieux s'occuper des autres. Plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez vous occuper des autres. C'est donner plus d'amour, etc. Par contre, si vous pensez qu'à vous et qu'à votre gueule, oui, ça s'appelle de l'égocentrisme, mais ça ne s'appelle pas de l'égoïsme. Mais je ne pense pas que les gens soient égoïstes, en fait, ni égocentriques, en fait. Non. Mais il faut qu'ils soient un peu plus égoïstes pour penser à eux dans le sens s'occuper d'eux, tu vois. Je cherchais là, excuse-moi, je t'écoute, hein, mais je voulais, je me souviens plus, je l'ai pas là malheureusement. C'est une citation de Gabor Maté. Je ne sais pas si tu connais, mais qui est un docteur scientifique, travaille beaucoup avec les psychédéliques, la dépression, les addictions, et qui parle justement du cancer en expliquant que les personnes qui sont atteintes le plus de cancer sont des gens qui ont du mal à aimer ou à être aimés et surtout qui font passer les autres avant. Oui. Toujours, 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 toujours faire passer l'autre avant, en fait. Qui ont l'altruisme dans leur valeur, en principe. Ouais. Mais l'altruisme ne veut pas dire que tu t'occupes des autres. Tu vois, en fait, il y a plein d'amalgames comme ça. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et aussi, c'est aussi souvent des personnes qui sont hypersensibles, qui sont très dans une intelligence émotionnelle assez poussée pour le coup, puisque l'émotionnel vient leur péter tout le truc, justement. Mmh. En fait, tu parlais tout à l'heure des mille... Des mille problèmes. C'est qu'en fait, émotionnellement, la stabilité émotionnelle donc peut être explosée par un événement, s'il y a un divorce, un burn-out, ce que vous voulez, je sais pas, tu changes de job, machin. Mais tu as aussi... toute cette écologie personnelle avec toi et les autres, comment tu communiques, comment sont tes relations, comment tu te laisses manipuler ou pas. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses derrière, on n'en parlera pas ici, qui font que tu te rends compte aussi de l'entourage que tu avais ou que tu avais choisi d'avoir. Parce qu'on choisit toujours d'avoir son entourage. Moi, j'entends souvent... qu'on me dit oui, mais j'ai pas le choix, mon mari est comme ça. Machin. Bah, en fait, on a toujours le choix, en fait. Si. C'est juste qu'après, dans ta posture, encore une fois, quand tu sais t'écouter, alors oui, on voit des personnes, quand elles commencent à s'occuper d'elles ou à aller mieux, savoir s'écouter, qui vont avoir des séparations, qui vont avoir des gros clashs dans leur relation, etc. Mais souvent, moi, je dis souvent que c'est dans l'ordre des choses. C'est qu'en fait, tu n'étais absolument pas toi, en fait. Pas du tout toi. C'est-à-dire que... C'est encore ça, on y revient. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu t'adaptais tellement aux autres que tu t'es fourvoyé, toi, à ne pas être qui tu es vraiment, à ce que tu es. Ce qui tu es, ça, c'est une grande question aussi à laquelle je ne saurais jamais répondre. Mais ce que tu es, tu sais ce que tu es en toi. Ton âme et conscience, ton âme te parle. Et quand tu sais opérer des moments de slow et donc être dans le silence, ou aller en forêt, ou aller couper quand il y a besoin, des fois dans la journée, moi je coupe, hein, je vois bien que ça part, machin, j'arrête 10 minutes, hop, je reviens, c'est nickel. Mais quand ça part trop, et quand tu es dans ton entourage avec des gens qui vont faire en sorte que ça arrange que tu ne sois pas toi, et que toi en fait, ben. Ça t'arrange aussi, comme ça tu gardes un mari ou tu gardes une meilleure amie ou tu gardes des gens, mais qui en fait
qui sont toxiques en fait pour toi. Faut te dire les choses clairement. Et c'est pas parce qu'elles sont toxiques que tu vas les dégager de ta vie, mais il va falloir en fait remodeler la relation et voir ouais. comment toi ça peut être écologique pour toi. Sinon, bah oui, tu vas tomber malade, tu vas ou ton mal de dos là que t'as, bah, tu l'auras encore pendant. Tu peux aller voir, tu peux aller venir me voir ou on peut venir te voir et ils l'auront toujours. Hein. C'est comme le stent, ça. C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement ça. Moi, de toute notre conversation là, jusque-là, ce qui sort, mais de façon tellement évidente, c'est intéressant parce que c'est vraiment du yoga, quoi. Tout ce que tu... Non, mais c'est vraiment le yoga dans sa pure définition. C'est vraiment ça. C'est le yoga, j'ai écrit un post là-dessus hier, justement. Je suis revenue au yoga de Patanjali qui nous explique comment on a des samskaras qui sont les impressions. On en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui sont les impressions de ce que la vie nous envoie. Ça peut être une phrase de quelqu'un, ça peut être une réaction, ça peut être les choses qu'on n'a pas fait. Et à tel point, on devient cette espèce de surface scarifiée et qui finit par cacher ce qu'ils appellent, eux, l'illumination à l'intérieur, cet être à l'intérieur. Et qu'en fait, il n'y a plus de capacité à aller, ou en tout cas, le yoga de nous permettre de faire que l'esprit soit aussi pur que la conscience. On revient en arrière, c'est une remontée vers une source pour que parce que l'esprit est conscience s'il était dans sa forme pure. Alors je sais que là ça devient un peu wou-wou, etc., etc., mais c'est vraiment ça. Moi j'entends dans tout ce que tu dis qu'à un moment on s'est perdu. À un moment, on n'était plus en accord avec soi-même. Je veux dire, les mots, ça a l'air d'être des expressions, mais ils ont du pouvoir, quoi. Ouais. Et que on s'est perdu, quoi. On s'est perdu. Et qu'on dirait que la rémission et la cure de tout ça, c'est de revenir à soi-même. Et que celui qui refuse, parce que c'est un voyage qui est douloureux, qui est difficile, qui nous met en branle, qui pour lesquels il faut encore une fois avoir énormément de foi, on dirait. Et si on n'est pas capable de faire ce voyage-là, et ben effectivement, récidive potentielle, etc., etc. Des fois, on peut même carrément pas s'en sortir déjà sur la première fois. Hein. Enfin, je veux dire, tout le monde ne s'en sort oui, pas. Oui, 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 non, mais tout à fait. Moi, oui. Tu vois, stade 3, t'as énorme de chances de t'en sortir, surtout quand tu as que 2 marqueurs sur 5 qui sont bons. T'es pas en super posture, quoi, déjà, tu vois. Donc, si toi, tu ne mets pas des ingrédients pour ta guérison et pour aller rallumer cet élan créateur que t'as en toi, ton élan créateur originel, moi, je l'appelle. Effectivement, tu peux t'en sortir une fois, deuxième fois, tu passeras pas. Le truc, c'est que il y a quand même le sens derrière. Ce que tu dis là, tu vois, on s'est perdu, tout ça, c'est super. Mais après, comment on fait, tu vois? C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Parce que c'est bien de s'en sortir ou c'est bien de dire ah, mais je me suis perdue, je me sens, j'ai pas de sens. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas en faire si tu t'en sors? Parce que moi, je me suis posé souvent cette question. Val, qu'est-ce que tu vas faire si tu t'en sors? Parce qu'en fait, c'était un peu le challenge qu'on m'envoyait là-haut. C'était, moi, quand j'ai commencé à rouvrir beaucoup au niveau intuition, au niveau des. J'ai un énorme éveil, hein, c'était mi-novembre 2014. J'ai vraiment vu la mort en face, elle est magnifique, et t'es là et on te dit mais tu vas faire quoi alors si on te laisse, tu fais quoi? Moi j'ai dit ce que j'allais faire et je suis en train de le faire, tu vois, et tous les jours quand je me lève le matin j'ai un sens tellement aiguisé, profond, mon âme et conscience, je sais pourquoi je suis là. C'est pas moi qui déciderai quand est-ce que je partirai. Je peux me faire écraser au bout de la rue demain, c'est pas le problème, c'est pas moi qui décide. Mais par contre, on a la responsabilité de décider qu'est-ce qu'on est venu faire et de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire là. Parce que quand on te dit qu'il te reste à peu près 6 mois, moi, c'est une des premières questions que je pose dans mes accompagnements parce que je peux te dire que là, putain, tu as du sens qui arrive. Et moi, quand on m'a posé la question, ok, bah, si tu t'en sors, qu'est-ce que tu vas faire? Je savais exactement ce que j'allais faire et je le fais, tu vois. Mais c'est ça, l'élan créateur, c'est que t'as une poussée invisible en toi, c'est cette lumière dont tu parles, cette illumination dont tu parles, on l'a tous en nous. Ceux qui doutent qu'ils l'ont, je vous confirme que vous l'avez. Après, vous l'avez peut-être pas comme on pense que c'est l'illumination, tu sais, quand on dit illumination sur les sages et tout ça, mais
nous avons une lumière en nous, un néon créateur. Vous êtes descendu ici, vous êtes venu vous incarner pour faire quelque chose. Hein. Ce n'est pas juste pour vous balader, faire une expérience. Hein. C'est pour quelque chose. Très très beau tout ce que tu dis. C'est vraiment, on touche à mon avis à la source de tout. C'est très 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 beau. Excuse-moi, je voulais le dire. Vu que malheureusement ces ouais. tribe talks sont toujours trop courts, est-ce que tu pourrais ouais. justement nous expliquer, tu savais ce que tu allais faire, c'est une belle transition, je voudrais que tu nous expliques pour ceux qui ne savent pas, ce que tu fais exactement, comment tu as effectivement transformé ce challenge en une opportunité, et j'adore le fait que tu n'aies pas voulu appeler ce talk le cancer du sein, mais au contraire que c'était le réveil de la puissance créatrice. J'adore ça. Et donc, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais et comment tu accompagnes les gens. Je te laisse la parole. Bah, en fait, pour moi, notre histoire nous prépare à la prochaine place qu'on va prendre. Donc, tu vois, c'est en deux mots. Déjà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on raconte mon histoire aujourd'hui. On parle de cancer du sein. J'ai eu plein d'autres choses. Moi, dans ma vie, j'ai pas eu que ce cancer. Pas top, mais de topissime aussi, comme toi, comme tout le monde ici qui nous écoute. Le truc, c'est que quand j'ai compris qu'en fait, je m'étais déviée en fait, de ce qui me faisait le plus vibrer à ce moment-là de ma vie, c'est-à-dire que quand on m'a demandé, ok, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire là? C'est-à-dire, voilà, il te reste 6 mois, mais qu'est-ce que tu ferais si on te les donne les 6 mois et qu'on te les laisse un peu plus? Et moi, j'ai répondu, ben, moi, j'accompagnerais. En fait, à ce moment-là de ma vie, moi, j'accompagnais, mais d'une autre façon. J'avais une agence événementielle que j'avais montée. On était les pionniers. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et moi, le mouvement que j'ai aujourd'hui, ça s'appelle Wake Up and Smile. Donc, réveille-toi et souris à ta vie. Donc, éveille-toi, réveille-toi et souris dans ta vie. Le sourire, c'est la joie de vivre, c'est la joie, c'est l'émotion, les 4 émotions principales qu'on a, qui fait que tu es en vie. Parce que quand tu as envie de faire des choses, tu es en vie. Et quand tu es en vie, ben quoi, tout est possible. C'est-à-dire que voilà. Et moi, tu vois, là, j'étais en train de mourir. Je n'étais pas en vie. J'étais encore en vie parce que je n'étais pas morte, mais j'étais en train de mourir. Mais je n'étais pas morte. Tu vois, c'est ça aussi la foi. C'est que, ok, je suis à terre, à nu, j'en peux plus, mais je ne suis pas encore morte, tu vois. Et tu prends cette lueur, tu prends ce truc là et tu t'accroches. J'avais fait un clip, moi, tu t'accroches à la montagne et tu montes, quoi, même si tu ne sais pas quand tu es là. Et en fait, moi, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, bah, moi, en fait, je veux que les gens sourient. Je veux que quand les gens ils sont à mon contact, putain, mais ils s'en rappellent parce qu'ils vont avoir le sourire, ils vont vivre des moments sympas. Et moi, je crée ça dans l'événementiel. On a fait sourire des millions d'âmes en écho à la mienne, finalement, avec mes équipes. Tu comprends? Tu me fais sourire maintenant, d'ailleurs. Hein. Ben oui, mais moi, je m'en étais même pas rendu compte. Je m'en étais pas rendu compte qu'on amenait cette joie aux gens à ce point. Mmh. Tu comprends? Moi, c'était normal. Je faisais un événement à 5000 personnes en Zénith. Allez, on fait notre événement, tu vois, mode robot, fermé. Mmh. Là, maintenant, quand je suis sur un de mes événements, tu vois, mais je me nourris de ces vibrations. C'est la vie, quoi. Tu vois, l'élan créateur. Donc, à chaque fois, je me suis dit, bah, en fait, on crée. Et puis, cet événementiel, donc ton parcours te prépare à la prochaine place. Cet événementiel, en fait, tu crées des souvenirs. C'est des histoires, finalement, que tu crées. Ouais. Et tu repars dans ce souvenir. Et ton cœur, il rebat. Tu réécoutes la même musique que ce fameux premier cabaret que tu as découvert. Tu as vécu ça dans cet événement. Je ne sais pas, tu étais avec tes collègues, mais on s'en fout que c'est tes collègues ou que ce soit ton mariage. Hop, tu réécoutes où tu as, tu sais, comme ça fait des fois, tu vis un moment où tu te dis, ah, j'ai déjà vécu ce moment où, oh, attends, ça me rappelle mon mariage ou quand j'étais. C'est les souvenirs, c'est ton histoire. Et c'est l'histoire de tes ancêtres quand tu as une photo, machin. Et donc, il y avait tout un truc, tout un jeu avec cette joie. Le smile, machin, et réveiller des choses qu'on a connues ou l'histoire ou machin. Et en fait, quand j'ai eu en mois de novembre 2014 ce profond éveil, je te dis, où j'ai vraiment vu la mort en face, on m'a demandé, et ben là j'ai senti qu'il y avait un switch qui s'était fait, que de façon originelle, il y avait quelque chose qui s'était réenclenché en moi. Moi, j'appelle ça l'élan créateur originel. Ça avait fait clac, tu vois, que ces dernières semaines, j'avais eu envie d'être en vie. Mais que, tu vois, la chimio marchait un peu, mais ce n'était pas flagrant. Tu vois, là, on venait de me dire, bah, vous aurez une deuxième chimio, machin. Et en fait, là, j'avais senti qu'il y avait eu un clac, tu vois.
Et en fait, il y a eu des idées, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Alors, j'avais ma chimio, hein, c'était hyper dur, j'étais vraiment à terre, à nu, mais j'écrivais beaucoup à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment tout un truc avec l'écriture. Et en fait, j'ai commencé à écrire mon premier livre, qui n'est pas sorti, qui est sorti en programme en ligne, en fait, qui s'appelle le programme Smile, qui s'appelle Wake Up and Smile aujourd'hui, où il y avait, tu vois, le 8, l'infini, il y avait plein de symboles dedans, tout ça. Et en fait, c'était pour reconnecter les gens en leur cœur. Le premier stade, c'était reconnecter les gens, leur cœur, pour leur éviter d'avoir un cancer comme j'ai eu. Tu vois, C'est ce que c'était tu ça. faisais toi-même, en fait. Bah ouais. Rien que de promouvoir l'écriture, de tout d'un Ouais. coup avoir cette pratique-là, Ouais. tu allais chercher profondément en Ouais. toi, en fait. Et Voilà. c'était, c'est, ouais. J'en ai fait carrément, tu vois, un process, une méthode, t'appelles ça comme tu veux, qui a aidé déjà des centaines de personnes depuis bah, 6 ans que c'est sorti, 5 ans. Et en fait, si tu veux. Pareil, une nuit, je dessine en géométrie sacrée, donc tu as des ronds, machin, plein de choses, pendant que je transmettais déjà le programme, d'accord? Et en fait, ça, je l'avais eu quelques mois avant, mais je n'osais pas le faire aux gens que j'accompagnais. Et en fait, un jour, je dis, bah attends, on va faire. Et en fait, si tu veux, tout s'est modelé là, ces 5 dernières années, où en fait j'ai développé bah, le programme Smile, donc Wake Up and Smile, où vraiment tu vas reconnecter à ton cœur. La méthode du secret, où tu vas chercher ton secret. Quelle est ta place aujourd'hui pour les 5 à 10 ans qui viennent? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et ça, on le fait sous forme de géométrie sacrée avec des mots dedans. Enfin, c'est juste exceptionnellement beau. Donc là, c'est le clac, tu sais que je te parle. C'est vraiment le renclenche l'élan créateur parce qu'une fois que tu as ouvert L'activation, ton cœur. Active. Et puis, moi, ces 2 dernières années, j'ai fait des accompagnements individuels où j'ai développé un protocole pour en fait en faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir reconnecté en son cœur, c'est très bien d'avoir réactivé ton énergie originelle. Mais en fait, des fois, et c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai développé la suite, c'est qu'il y en a, ils n'en font rien. Et ça repart comme ça, tu vois. Et en fait, là, j'ai développé un protocole où en fait, on en fait ton activité. On en fait ou on change quelque chose dans ta vie pour qu'en fait, chaque matin, quand tu vas te lever, tu as l'impression que tu es nourri à chaque fois. Et hop, tu te rallumes chaque matin. Et tu as envie de te lever et tu es en vie comme ça parce que tu as Ah, envie de envie. faire ce projet. Tu es en vie. Donc, ça peut être un projet pro, comme on l'appelle dans notre société aujourd'hui. Pour moi, c'est une activité parce que. Au même titre qu'une activité sportive, culturelle ou professionnelle, tu es dans le faire, tu es en mouvement. Ce qui fait qu'en fait, la première étape, on s'occupe de ton être, le cœur. Ensuite, on va s'occuper de réenclencher, mais pour que ce soit durable. Parce qu'en fait, on en voit beaucoup hein, de programmes où ils font du féminin sacré. Tu sais, féminité sacrée, ce qui est très bien, on en fait hein, dans le programme, mais. Il y a ce besoin de ce claque en fait. Sans ce claque, tu ne vas pas avoir le courage et oser aller mettre en place dans la matière quelque chose. Cette matière est hyper dense. Donc la matière est beaucoup plus dense que ce qui se passe dans l'invisible. Et on est incarné pour justement modeler des choses dans la matière. Et c'est des projets, des activités, des choses qui vont t'allumer et qui vont en fait venir te nourrir au cœur. Et donc moi, ben, tu vois, là, 5 ans après, en fait, j'ai développé ces 3 accompagnements qui ont aidé déjà pas mal de monde. Et aujourd'hui, j'en fais une maison de créateur. C'est-à-dire que j'alchimise tout à l'intérieur d'une maison. Tu rentres à la maison, comme j'aime à dire, à la source de ce que tu es. Parce que voilà, on vit dans une société qui nous éteint clairement. On a beaucoup de burn-out, etc. Donc c'est vrai que c'est destiné à toutes les personnes qui ont eu des burn-out, hein, comme toi et moi, et qui sont en transition ou qui vont l'être, ou qui l'ont été, qui viennent de se monter, mais tu vois, qui n'ont pas le sens profond, qui leur manque. Parce qu'il y a vraiment le mot sens, moi. Le sens, tu vois. Qu'est-ce que tu es venu faire et qu'est-ce que tu vas en faire? C'est vraiment ces 2 grandes questions, moi, que je traite. Et après, comment tu développes ton activité, tout ça, moi, je m'en fous. Tu vas prendre en compétence, tu vas suivre un truc de marketing, de ce que tu veux. Mais le plus dur, c'est Ça se fait tout seul, bien de. sûr, la suite, ouais. Ouais, ça, c'est des compétences. Après, là, on est sur les Tout talents à fait. innés. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et en fait, on est venu faire quelque chose. Et ceux qui en doutent, s'il vous plaît, c'est pas possible. Vous êtes venu Je faire crois que tu quelque vas chose. m'avoir en cliente, hein. Oui, si tu veux. Je pense Toi, que tu m'as ta déjà comme conversation cliente. a clairement mis le doigt sur mes propres limites. J'adore.
Ben, les limites, c'est. Moi, je dis toujours, mais si on pourra se refaire autre chose, tu veux. C'est ce qu'on voit au tout début du programme Wake Up and Smile, le premier pilier de la maison de créateur. On est nos limites, d'accord? Mais on a des limites. C'est-à-dire que nous sommes des êtres créateurs illimités. On peut créer tout ce qu'on veut, toute la journée. Mais par contre, nous avons en nous des limites à ne pas dépasser. Et en fait, notre société nous pousse à les dépasser. Et aujourd'hui, il va falloir revenir à savoir s'écouter. On en revient au début de notre live. Et qu'est-ce que c'est que savoir s'écouter? C'est juste assumer qui on est en toute authenticité, prendre nos responsabilités et dire, bah, des fois, ouais, fuck, moi, j'ai pas envie, en fait. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme toi. Donc, accepte-moi comme moi, je suis. Et moi, je t'accepterai comme t'es. Après, on peut ne plus s'entendre, c'est OK, ou on peut ne plus avoir trop envie de se voir parce que, en fait, on est trop éloigné sur des choses. Mais ayons cette sincérité, cette authenticité de se dire les choses parce que notre société, elle devient trop image, tu vois, et cette profondeur, moi, me manque profondément. Et on est venu m'amener dans mes profondeurs, moi, pour justement pouvoir amener ce côté brut, mais qui est tellement lumineux. Enfin, je veux dire, c'est quand même lumineux. Écoute, c'était magnifique. Je regarde l'heure, on s'en fout, Ouais. tu vas me dire, on n'est pas à la télé. dans ton site, j'ai lu, il y a une section qui s'appelle Et après dans ton site. Et tu cites Camus. Tu dis, au milieu de l'hiver, j'ai découvert un invincible été. C'était ça, hein? Mais ça résume bien ce que, tu vois, la thématique que tu voulais sur le cancer du sein, sur mon histoire. Moi, je l'ai expansé avec le réveil de notre puissance créatrice, de notre pouvoir personnel, tu vois. Vraiment, ce que vous avez en vous, ça ne sert à rien non plus d'aller jusqu'à avoir un cancer pour aller chercher. C'est ça, moi, mon message, tu vois. En tout cas, dans ma propre histoire. Et en fait, les gens, souvent, on a un invincible été en nous. Mais moi, j'y crois, mais j'ai une foi inébranlable en ça parce que je le vois tous les jours et je le vis tous les jours avec les personnes que j'accompagne, tu vois, avec des personnes comme toi. Enfin, on est entouré, on a beaucoup de chance, Eve, parce qu'on est entouré, tu vois, plus on s'écoute et plus on avance, plus on est entouré de personnes qui vibrent au même diapason que nous, que notre âme, dans les familles d'âme. Et on va vers ça. Et c'est de l'or en barre. Et je peux vous dire que. Être authentique et être dans sa puissance créatrice, c'est donné à tout le monde, mais on nous fait croire l'inverse parce qu'on est tellement puissant, en fait. Quand pas de pouvoir, là, je parle de puissance, c'est-à-dire qu'avec le pouvoir, vous avez l'amour. On est tellement en train de balancer des bombes d'amour. J'aime pas le mot bombe, mais en tout cas, tu vois, Des tout éclaboussures est. partout, des splashs, C'est tellement puissant. Enfin, moi, j'ai reconnecté à quelque chose de tellement puissant que je ne savais même pas que ça existait en moi, alors que je te dis, j'étais la joie de vivre incarnée. Hein. On n'a pas arrêté de me le dire depuis mon enfance. Ouais, je me suis éteinte, mais pour me rallumer encore 10 fois plus puissamment. Mais en fait, tout le monde a ça. Et moi, je le vois quand je croise les gens. Je le vois en toi, Eve. C'est flagrant pour moi. Je vois ça maintenant. Et en fait, j'entends toujours les gens me dire, ouais, mais toi, t'as pu parce que t'as eu ça. Oui, mais toi. Et tu vois, je crois que je vais faire un de mes prochains lives là-dessus parce que comme ça m'énerve, je leur dis, mais vous l'avez, c'est juste que prenez vos responsabilités, allez vous faire accompagner ou allez voir un thérapeute ou allez voir Eve ou allez voir ce qui se passe, où est-ce que vous êtes dérégulé, où est-ce que vous écoutez pas. Et après, ça ira peut-être beaucoup mieux aussi, tu vois, parce qu'on est là pour évoluer encore une fois, on est là pour grandir. C'est pas parce que vous avez fait un programme ou que vous avez fait une séance que ça y est, votre vie va être parfaite. Ça aussi, je le dis toujours. Votre vie ne sera pas parfaite et tant mieux. Parce que elle va être de plus en plus ajustée à qui vous êtes. C'est pas la même chose. Et je voudrais juste dire que c'est très dur. Moi, je suis encore au milieu de d'incertitudes. C'est pour ça que je disais en souriant, mais c'est exactement vrai. J'aurais besoin de tes services. Je trouve que c'est que ce soit la maladie que j'ai eue il y a quelques années, que ce soit les incertitudes de demain, je crois que ce sont des chemins à se retrouver soi-même. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile. Et je ne le dis pas pour plomber le moral de tout le monde, je le dis au contraire pour ceux qui sont déjà plombés, de se souvenir que c'est vraiment, j'appelle ça à chaque fois, le voyage du héros. Ça vient Ouais. d'un auteur de 1947 qui a écrit le voyage du héros.
Et c'est toi qui m'en as parlé, ouais. C'est ça, je t'en ai parlé. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et il faut beaucoup de courage. Et bravo pour ceux qui l'approchent. Et qui, parce que c'est se mettre en danger, c'est remettre en question ses croyances, c'est remettre en question tout ce qui était nos piliers de support. Une partie, pas tout. Pas tout. Parce que des fois, quand on n'est pas bien, tu sais, on croit que c'est tout. Mais c'est non, c'est ce partie. Que tu disais tout à l'heure, j'entends. Voilà. Mais c'est souvent, ce que je veux dire, c'est que ce sont souvent les piliers sur lesquels on comptait le plus. Qui ah, sont. Sûr, c'est pas marrant. Et oui. Sinon, la vie est un jeu quand même. Hein. Tu viens de parler. Bon, mais comme je dis, il faut quand même se rappeler que la vie est un jeu. Vous êtes venu vous incarner. C'est bon, ça dure quelques secondes en fait. Hein. Nous, on croit que c'est toute notre vie, c'est horrible. C'est bon, ça dure quelques secondes. Donc, amusez-vous quand même un peu à aller voir des chemins de traverse, voir des endroits où vous n'avez pas été voir. Et c'est ce qu'on fait justement dans les accompagnements, c'est que je sécurise, si tu veux, on va dire, je balise un peu plus le chemin pour que tu te sentes plus en sécurité. C'est ça. On y va. Il faut ensemble, de l'aide. Il faut de l'aide. C'est bien d'en chercher, d'avoir aussi la clarté et le courage d'aller chercher de l'aide. Il faut du courage pour aller chercher de l'aide. Ouais. Puis moi aussi, je me fais aussi accompagner. On se fait tous accompagner. Il faut quand même pas oublier là, si je parle de coaching pur, on a 95% d'inconscient et 5% de conscient. Donc, on est obligé de remonter ce qu'on a à l'inconscient pour le passer en conscience, pour avoir une prise de conscience et le traiter. Mmh. C'est le propre de ce que je fais en premier, moi, au niveau du coaching. Mais après, bon, moi, je fais plein d'autres choses, mais il faut l'avoir en conscience. Donc, forcément, il faut quelqu'un pour aller voir dans ton inconscience comme un iceberg et le remonter à la surface. C'est ça. Faut pas y aller tout seul. Hein. Donc, pareil, dans notre société, mais s'il vous plaît, faites passer le mot. Moi, il y en a plein que j'accompagne qui disent pas qu'ils sont accompagnés. Hein. Ils disent pas qu'ils sont coachés. Ah non, parce que ça se dit pas. Mais pareil, changer les mœurs. C'est comme quand vous allez voir le médecin quand vous êtes malade. Vous faites quoi? Vous restez malade et vous allez voir personne et vous allez être à l'agonie? Non, vous allez voir le médecin. Ben, c'est pareil. Là, vous allez voir votre coach, vous allez voir Eve, vous allez voir quelqu'un qui va vous traiter sur quelque chose qui vous servira. C'est tout. C'est ce que tu dis aussi dans ton site. Tu dis, au moment du diagnostic ou en tout cas pendant la maladie, tu dis, je ne suis plus du tout forte, je suis vulnérable. Ouais, mais c'est ça. Ça a l'air rien, mais c'est tout en fait. C'est d'accepter cette vulnérabilité et d'être et de savoir que c'est ça d'être humain aussi, quoi. Bah, c'est être humain, être authentique. C'est pas que. C'est être humain. Notre humanité, c'est notre vulnérabilité. Quand tu parlais tout à l'heure, j'ai failli te dire le mot vulnérabilité. Moi, j'organise une conférence dimanche soir sur le miracle d'être soi, de se sentir authentique. L'authenticité, c'est notre vulnérabilité. Si on veut que les autres soient authentiques, il faut d'abord l'être nous-mêmes. Et donc, il faut être dans sa vulnérabilité. Si toi, tu acceptes envers toi-même des choses, tu accepteras plus facilement que l'autre ne le soit pas. C'est logique. Et moi, je me souviens, quand je suis tombée malade, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Mais Val, toi, tu es forte, tu vas t'en sortir. » Et là, je les ai regardés dans les yeux, je leur ai dit « Mais attendez, les amis, je crois que vous n'avez pas compris que là, j'ai un cancer, en fait. » Et qu'on m'a donné 6 mois, quoi. Donc, ouais, je peux être forte et tout ça, mais moi, j'ai plus envie d'être forte. Moi, j'ai envie d'être puissante, c'est-à-dire de balancer un putain d'amour de ouf, tellement qu'il sera dingue, que je vais m'en sortir, je vais me guérir moi-même, quoi. Tu vois, parce que c'est ça, après, le processus de la guérison. C'est l'amour. Voilà. C'est ça, l'intelligence du cœur, tu vois. C'était notre conclusion. Voilà, c'est notre conclusion. Merci. Je t'aime, tu es géniale. C'était tellement beau et inspirant. C'est ce que d'ailleurs les commentaires disent. Oui. Tellement d'inspiration, tellement d'énergie, tellement de clarté, d'intelligence, de douceur, d'amour. Excuse-moi, mais prends tout ça parce que tu le respires, les éclaboussures là, elles sont là. Merci. Merci beaucoup. Je serai au regret de te dire que tu seras réinvité vite fait. Avec grand plaisir. Moi, je t'ai invité aussi sur mon compte, on l'avait dit. J'ai invité qui vient nous parler d'Ayurveda. On viendra parler d'Ayurveda chez toi, Valérie, et vice-versa. Ouais. En tout cas, merci infiniment. J'aurais pu encore rajouter un petit 3/4 d'heure de conversation, mais je pense que c'est bien pour ceux qui voulaient l'entendre jusqu'au bout qu'ils aient une chance de le faire. Je t'embrasse très, très fort. Je te remercie infiniment. Tu voudrais peut-être conclure? Quelle est ta conclusion à tout ça? Et quels sont tes événements aussi? Ça sera notre conclusion. Quelle est ta conclusion, ton mot de conclusion?
et tes événements à venir, s'il te plaît. Alors, événement à venir, il y en a un dimanche soir. Moi, j'organise des private parties. Elles sont privées, c'est-à-dire qu'il faut être inscrit à ma newsletter, qui est dans ma communauté newsletter, pour recevoir le lien Zoom. Je fais une soirée private party dimanche soir, le 21 à 21h, sur le miracle d'être soi et de se sentir authentique. Mmh. On va parler vulnérabilité, donc là, ça tombe très bien. De toute façon, voilà. Oui. Et donc, la maison de créateur va rouvrir ses portes le 7 décembre. Donc, possibilité de rentrer dans certains programmes de la maison de créateur le 7. Très bien. Tu fais ça en cycle, en phase, en fait, c'est ça? Oui, en fait, la maison de créateur, là, on est en train de reprendre pas mal notre site. Le site va changer. Là, on est en train de tourner un super beau clip et tout pour expliquer un petit peu comment est la maison de créateur. Où on rentre dans un univers. Ce n'est pas juste un programme, c'est un univers avec plusieurs choses dedans. On peut tout prendre. On peut prendre certaines choses qu'on a besoin à ce moment-là de sa vie. Et le 7 décembre, on repart sur une session. Et après, ça sera en janvier ou en février, même début février. Je crois que la prochaine, elle sera. Mais il y a possibilité de rentrer dans la partie Wake Up and Smile quand même de temps en temps. Donc, il faut prendre un rendez-vous avec moi et on en parle. Très bien. Simple. Donc, on envoie un petit mail par le site ou par les réseaux, un message privé. Et en principe, je vous propose un rendez-vous pour qu'on en discute une petite demi-heure. Parce qu'en fait, chacun a son histoire. Donc, il faut que je vois si je peux vous aider ou pas. Parce que je ne peux pas non plus aider tout le temps tout le monde. Mais quand même, la plupart des gens, tout ce qu'on vit actuellement, c'est quand même à peu près ce qu'on traite dans la maison de créateur. Puisque bah, moi, j'y suis passée avant vous. Donc, j'ai envie aussi d'amener ça dans cette phase-là. Voilà. Et on a le membership, le miracle d'être soi, qui va sortir fin novembre, début décembre. Donc, ça va pas tarder. On est en plein dedans. Parce qu'en fait, c'est privé de partie. Moi, j'en fais régulièrement. Donc, c'est disponible pendant à peu près une semaine pour ma communauté ou ceux qui s'inscrivent entre temps en replay. Mais après, on l'enlève. Parce que sinon, il faut être là au moment. C'était des synchronicités. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, on l'enlève. Et en fait, on l'enlève. Et là, on n'en fait rien depuis. On en a plein des très belles, tu vois, comme ces lives-là. Et donc, j'ai décidé de mettre en place un membership où en fait, vous payez un petit abonnement au mois, mais qui s'arrête quand vous voulez. En fait, on s'en fiche. Le temps que vous voulez pour regarder ces vidéos, justement, qui sont sur le miracle d'être soi, de se sentir libre, se sentir authentique, se sentir à sa place, se sentir… tu vois, il y a vraiment des plein aides, du coaching, des ressources. Ouais, voilà. Et vous avez accès aux cercles sacrés qui ont lieu exclusivement dans la maison de créateur. Donc, même si vous n'êtes pas dans la maison de créateur, vous avez accès à une petite chose de la maison de créateur qui est quand même assez puissant. On élève les vibrations sur le cercle sacré qui a lieu une fois par mois. Et il y a un coaching également une fois par mois avec les personnes qui suivent le miracle d'être soi, le membership. Et après, vous pouvez rentrer dans la maison de créateur ou en même temps, vous l'avez offert quand vous êtes dans la maison de créateur. Pendant les 6 mois que vous êtes dans la maison de créateur, vous avez le membership d'offert, toutes les vidéos d'offertes. Et tous les rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux actus. C'est bah là, il y a donc un webinaire dimanche. Et puis, la maison de créateurs, si vous voulez la rejoindre, de toute façon, écrivez-nous, ça sera plus simple. On voilà. Donc, les gens peuvent t'envoyer un petit message perso ici. Moi, je publierai encore ton site web de toute façon. Il est déjà sur Facebook à Taapoa. Puis, je le remettrai dans Instagram. On te trouve facilement. Je te remercie encore énormément, Valérie. C'était… comment on dit en anglais, on dit uplifting, tu vois, c'est comme le gâteau, le tiramisu, j'adore, tu m'as élevé et je t'en remercie énormément, je t'embrasse très très fort. C'est un moment magique et j'ai envie de dire que d'être en vie, c'est tout un art. Donc moi, j'ai toujours tout l'art d'être en vie, donc amusez-vous avec votre art. Voilà mon mot de la fin, tu m'as demandé tout à l'heure. C'est beau, et amusons-nous, c'est exactement oh, ça. Oh oui. T'embrasse très fort, ma chérie. Je dis à bientôt. Ouais, et à bientôt, quoi. Et merci encore infiniment d'avoir été là. Merci pour ton invitation, vraiment. C'est précieux. Je t'embrasse. Et à vous tous, merci d'avoir suivi. Oui, merci à tous. Merci beaucoup.